Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, cette nouvelle vidéo sur Astroneer suite au méga épisode de Noël. Donc bonne année à ceux que, bah de toute façon à tout le monde, vu que de toute manière, ils ont pas résolu le problème de... Faudra que je demande à Relgun ce qui m'a dit conseil de faire pour résoudre ce problème. Donc bonne année à tous ceux que je n'ai pas vu depuis Noël, tous ceux qui n'ont pas joué avec moi, c'est-à-dire tout le monde, vu que j'ai très peu joué après pendant la période de Noël, vu que j'étais en famille et avec mes amis, tout ça. Donc du coup, il va falloir qu'on revienne à là où nous en étions au début. L'on m'a conseillé d'aller chercher en profondeur. Pourquoi ? Parce qu'en profondeur, il y aurait des cadavres qui me permettraient de faire du lithium. Donc si ça, c'est pas une bonne nouvelle, je ne sais pas ce qu'est une bonne nouvelle. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on avait fait ? Oui, d'accord. Il faudra donc que j'établisse des batteries. Ça pourrait être intéressant. Et donc je partirai bien pour cet épisode dans une séquence de creusage à côté de la base. Donc potentiellement par ici, là, juste là. Bien que... Alors de creusage, dit creusage, et là il y en a peut-être 100 000 qui sont déconnectés. Qui ont arrêté la vidéo. Mais ce n'est pas grave, ils louperont quelque chose d'incroyable. Je dis creusage dans le sens où je vais essayer de rejoindre une caverne. Je voudrais pas avoir à faire 40 km pour atteindre une caverne à côté de chez moi. L'objectif étant vraiment de réussir à avoir une... tout simplement une quantité de ressources au plus près de la base. Tout simplement. Et surtout, quand je dis que je vais creuser, c'est que je vais atteindre des profondeurs. L'objectif, c'est vraiment de partir en profondeur. Du coup, vu qu'on parlait de Relgun, lui il connaît pas les profondeurs, il a un problème avec ça malheureusement. Voilà, ça c'est bonne année Relgun, voilà, c'est dit, bonne année. Donc voilà, Relgun qui est l'officier du clan Robocraft. Hop, voilà. Je sais pas si on avait cité Relgun dans le méga épisode de Noël, on avait cité Sijo et ses idées à la con là. Qui marchait pas. Ok, bon, on va prendre du composite à ne plus savoir quoi en foutre. Hop. Composite. Ça c'est de la résine. Non, c'est du composite. Wow, je prends. Ok, ça c'est bon. Bon, en termes de ressources énergétiques, on est plus ou moins bon. Ok, bon. Donne-moi des rallonges. Ça c'est quoi? De la dynamite. Parfait. Justement, j'ai envie de faire péter les choses. Ça c'est encore un petit peu de composite, mais il est au niveau du... Est-ce que j'ai un truc plein? Ah, j'ai un truc plein. Je vais me faire un petit peu de composite supplémentaire si ça ne dérange personne. Je reçois des messages. Ce n'est pas grave. Je vais me faire un petit peu de composite supplémentaire, c'est pas grave. C'est pour le bien de cette session. Et je vais aussi déposer un petit peu tout le caca que je peux avoir sur moi. Cette énergie, par exemple. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Donc l'objectif étant de trouver différents... ah oui, c'est vrai. Hop. Le stockage moyen, ça pourrait être intéressant. Mais pas pour l'instant. Vous voyez, donc là il fait nuit, donc du coup on n'a pas rien. L'objectif c'est vraiment de trouver... De quoi faire la batterie. Batterie qui est présente. Énergie. Ici, batterie moyenne. Donc quand on aura les 6000. Voilà l'objectif actuel. On va partir avec ça. Hop. J'espère vraiment d'avoir une bonne grosse dose de rallonge hein, parce que là je veux vraiment partir pour un long voyage. En évitant de trop chuter. Hop. Le long voyage.
Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Un vertige puis le silence. Normalement. C'est que je ne vois plus du tout mes réserves. Voilà, parfait. Ok. Oxygène. Oxygène not included in my suit. Hein, bien sûr. Là d'ailleurs, je suis un poil trop loin. Donc j'ai pu voir que l'épisode d'Oxygène not included vous avait plu. C'était cool. Je vous avoue que même à m'entraîner à y jouer, ça me donnait envie de rejouer à d'autres jeux que j'avais lâchés. Ce qui est assez couillon dit comme ça, hein, mais. Par exemple, il y aura bientôt du Subnautica à nouveau sur la chaîne. Puisque j'y ai même rejoué un soir. Voilà, cassez-vous. Je ne veux pas de vous. Merci. Ah, forcément. Je vais vous mettre là. Rana foot. Voilà. Et on est reparti. Ah, pourquoi ça fait un tout petit trou? Non. Non, t'écroule pas sur moi, s'il te plaît. Merde. Bon bah... Tant pis. On progresse. Les profondeurs insondables d'Astronir, c'est sur la chaîne. Alors faut savoir aussi que j'ai quand même tourné des vidéos. C'est la première fois que je redis salut les viewers, c'est Marcus Bonus en 2018. Donc ça c'est assez cool. Mais c'est pas la première vidéo que je retourne pour autant. Enfin que je tourne pour autant. Qu'est-ce que j'entends par là? J'ai enfin tourné. Oh putain. Je viens de me rendre compte, chers amis, un instant, que le cercle bleu autour de ça correspond à la au remplissage d'une d'une bonbonne. Si ça c'est pas un peu triste. J'en ai plus. Ok, cool. C'est bien la seule fois où je vais dire ça. Mais bon, c'est intéressant sur le principe. Donc j'ai enfin pu tourner une série, enfin un épisode d'une vidéo, enfin une vidéo, on va dire ça comme ça, une vidéo sur le jeu World of Warcraft, qui est une vidéo qui sortira dans quelques temps. Parce que je l'ai monté, enfin j'ai monté une version, disons, de base, qui me servira de test vis-à-vis de mes amis, hein, ou certains d'entre vous, on verra. Pour voir à quoi ça ressemble, si c'est valable. Une série un petit peu RP, où justement j'ai posé une énigme il y a quelques temps sur la chaîne, sur le Discord de la chaîne, pardon. Donc allez-y si vous n'avez pas le Discord de la chaîne, allez-y. Ah oui, ça c'est un problème ça. Ça veut dire que je vais trop à pic. Ok. Donc on va reprendre ça un peu mieux. Hop, voilà. J'ai laissé un trou. Voilà. Crac. Donc oui, une série sur autour de World of Warcraft. Et donc j'avais laissé une énigme disant que quand est-ce que 44 est égal à environ 6. À 6. Bon, maintenant c'est un petit peu 7, mais ça va augmenter au fur et à mesure que je finirai de faire le montage de la vidéo, mais bon, ça devrait tourner autour de 6 ou 7 minutes, à tout péter. Donc c'est 44 minutes de tournage qui sont transformées en 6 minutes de vidéo. Je voulais que ce soit assez rapide, que ce soit assez... assez dynamique. C'est le cas. À voir si c'est suffisamment intéressant et drôle maintenant, j'ai fait ce que j'ai pu. Ok, le jeu en chie bizarrement. Alors, aussi, nous sommes le
4, il me semble, le 4 janvier, nous avons eu la première mise à jour de l'alpha, donc la nouvelle alpha, la mise à jour de recherche. Alors je change de sujet sur Astronir cette fois-ci, le 18 décembre, donc on peut s'attendre à ce que le 18 janvier on ait une nouvelle mise à jour et potentiellement avec des bases modulables. Qu'est-ce que c'est? Apparemment ce serait tout simplement la refonte du système de base, vous savez, avec la résine et les plots. À voir ce que ça va donner. Donc oui, World of Warcraft, donc qui est une série pour moi qui pourrait être la réponse à beaucoup de choses que je veux faire avec la chaîne. Je rappelle que la chaîne est une chaîne communautaire, c'est-à-dire que j'essaie de participer, vous faire participer au mieux, de rendre les épisodes un petit peu interactifs, les lives encore plus. Et donc effectivement, la série sur World of Warcraft est pour moi un moyen de rajouter encore à tout ça. Comment? Et bien tout simplement en vous en participer, ça reste un MMO, il y a beaucoup de joueurs dessus, beaucoup de choses à faire. Et donc si je peux par exemple jouer avec certains joueurs certains d'entre vous qui jouent au jeu, recevoir votre courrier en jeu, pour moi ce serait une réussite. Pourquoi? Parce que ça permet de continuer à dialoguer avec vous, d'avoir vos retours directement en jeu et surtout vous faire participer, parce que ceux que je vais, par exemple, piocher dans mon courrier, je vais les montrer, les courriers à l'écran. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment un potentiel dans ce jeu que je veux vraiment utiliser à fond. Et encore plus, parce que c'est un jeu que j'apprécie, si vous voyez ce que je veux dire. C'est du potentiel du jeu, j'aime ce jeu, j'aime beaucoup ce jeu, il a été quelque chose d'important pour moi à certains moments de la vie. Ce qui est un peu bizarre quand on parle d'un jeu de dire ça comme ça, mais c'est le cas. Et non, je commence à me demander si je vais finir par trouver une autre caverne. Ah, forcément. L'objectif c'est quand même d'aller très très vite en redescendant. Tu veux pas? Ok. Alors je suis assez surpris là pour le coup. Je pensais retomber sur une autre caverne à un moment ou à un autre. Mais apparemment non. Pourtant c'est pas faute de creuser. Hop. Ah non, ça veut pas hein. Juste pour voir 41. Combien de temps j'ai quand je veux remonter? Ah ils ont... Waouh, on est plus bloqué par les... Waouh, ça c'est génial, j'avais pas percuté. On n'est plus bloqué par le placement des trucs. Ça c'est cool. Finalement, je suis pas parti dans si loin que ça. Hein. J'ai 20 secondes de... Ah non, j'ai rien dit. Je croyais qu'on voyait déjà le haut, mais non. On est déjà à 20 secondes pour remonter. Et là, on peut pas dire que j'ai pas creusé. Hein. Oh la vache. En plus, c'était un objectif que vous vouliez que je fasse, ça a essayé de creuser le plus profond possible, direction le centre de la planète. Bah, je pense qu'on a commencé cet objectif, hein, chers amis. Pour le coup, là, je peux pas faire mieux. Surtout quand on voit à quel point j'ai creusé profondément dès le départ, quoi. Je veux dire, je suis parti vraiment à pic. Oh la vache. Ah bah, ça va faire une minute pour remonter et descendre. Là, ça fait une minute. Wouah ! C'est de bourrage ! Personnage qui vient de courir un marathon d'un seul coup là. Deuxième s'il te plaît, merci. Voilà. Bon bah, on y retourne. Fuck it. On n'a pas de bol cela dit hein. Peut-être qu'il y a un moyen de... Ouh là là.
va y avoir un suicide en direct. Non, c'est bon, ça passe. Cela dit, pour descendre, ça va plus vite. Hein. C'est pour remonter que c'est pas drôle. Wouhou! Ça devrait être bon, j'aurais pouvoir reglisser bientôt. Non, même pas. Oh, quel dommage. Y'a trop de sauts. Y'a trop de sauts. Enfin bon, ce n'est pas grave. Oh là 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 là, la profondeur. Il nous faudrait presque, vous savez, un altimètre pour voir à quelle profondeur nous sommes, mais... Je pense qu'un altimètre s'arrête à zéro, hein, je pense. Il y avait un trou ici. Allez. Est-ce qu'on peut tricher à voir à peu près où est le... Non. Quel dommage. Dans la mine. Tip tap du matin jusqu'au soir. Ah, j'ai plus. Tip tap tic tac. Attention Marcus. Fais même pas gaffe, tu vois, regarde Marcus, t'es mauvais Marcus. On va pas aller jusqu'à dire mauvais, mais... Pourquoi des fois tu sprintes quand tu creuses et des fois tu veux pas? C'est efficace mais... Bon bah... On continue hein. Objectif. Aller au centre de la Terre. Je suis déjà full en... En termes de... T'es sérieux là? Commence à faire chaud à mon avis hein. Ah. Qu'est-ce que je disais? Comment je vais remonter tout ça? N'en ai plus. Hop. C'est fou ça. Pas la moindre grotte. Pas la moindre grotte. Est-ce que les planètes ont un centre? Telle est la question. Après tout, peut-être qu'à la mise à jour, ça a changé. J'aime pas. Voilà. Ce serait dommage de nous faire avoir par un bug de ce genre ou un n'importe quoi, on sait pas trop. Par contre, ça c'est pas un bug, y'a plus d'oxygène. Voilà, hop. Allez, on descend. Dans la mine. Bon, bah sinon, comment se sont passées vos fêtes? Ouais, c'était pas mal, j'ai eu un super t-shirt. J'avais pas encore la licence à roue, je suis content. Hop. Je suis très content. Bon. On va en refaire un, c'est pas grave. Allez. Je pensais pas aller aussi profondément sous terre. Pour être tout à fait honnête avec vous. Mais bon, c'est pas mal. C'est intéressant sur le principe. C'est intéressant. J'ai pas fait attention. Oh, ça faisait loin en plus. Hop.
C'est parti, on y retourne. Enfin bon, ouais non, faut reconnaître que là pour le coup on change de biome. Non, toujours pas. Aha. Je crois qu'on a atteint une limite. Oh là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ouh. Qu'est-ce que c'est, du raisin? C'est du raisin? C'est ça? N'est-ce pas que c'est du raisin? Avoue, quand je dis que c'est du raisin, c'est du raisin. On a un poil de cul d'en avoir. Ça y est. Ah non. Ah. Mais... what? C'était rose au début. Pourquoi ça devient noir? Oh. Quel est ce matériau? Donc on est peut-être pas au centre de la planète. Ce serait le noyau. Ça m'étonne. Je suis désolé, hein, je vais creuser un petit peu, hein, parce que là je suis sur le cul de ce que je viens de trouver. De l'astronium. Ok, why not, je cautionne. Vous inventez des matériaux maintenant, voilà autre chose, enfin je sais pas. De l'astronium. Ok. Ça fume. Ce que j'aurais peut-être faire, c'est une plateforme autour pour pouvoir faire le tour, vous savez. Hop. Hop les. Crac. Alors je sais pas du tout ce que je viens de trouver. Allons voir. En tout cas. C'est intéressant. Vous voyez, je pensais pas tomber là-dessus. Mais genre pas du tout. Hein. Mais est-ce que ce serait le noyau? Non. Non, parce que ça ressemble à un truc circulaire. Hein. C'est pas possible, je suis pas au centre de la planète. Je veux dire, je suis au centre de la planète? Non. Non, non, non. Me dis pas ça. C'est ça le centre d'une planète? Parce que, je veux dire, c'est un poil décevant aussi. Hein. Donne. Non, ça veut pas. J'ai l'impression que il coopère un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Du charbon, tout simplement. Ok. Attendez, qui dit charbon dit température, dit chaleur. Non? Je veux dire... ça veut dire... noyau mort? Oh, là, je suis sur le cul. Je sais pas du tout à quoi j'ai affaire. Vous savez quoi, on va faire le tour dans l'autre sens maintenant, histoire d'être sûr d'avoir fait le nettoyage comme il faut. J'ai fait du caca par là. Allez, dissipe-toi, espèce de fumée, voilà. Et pour l'instant, c'est surtout moi qui ai l'impression de fumer. Toujours plus de charbon. Alors c'est pas un problème en soi, hein, mais... moi ce qui m'intéresse c'est le pourquoi, le comment, qu'est-ce que c'est? Le quoi, presque. Ok. Et on n'a aucune idée. Et je n'ai plus la moindre rallonge.
Ok, bon. Bah écoutez, ce que je vais faire, chers amis, c'est que moi je vais me renseigner, tout simplement. Je vais voir un petit peu. J'ai vu le charbon, vous inquiétez pas, hein, mais c'est juste que voilà. Pour l'instant, le charbon, c'est pas vraiment ma priorité. Quoique, c'est un bon matériau d'échange. Un certain nombre d'entre vous m'ont conseillé de vraiment de faire le comment le. Le comment, la station d'échange, la plateforme d'échange. Faut savoir que moi je pensais qu'elle avait été supprimée, je voyais pas l'intérêt. C'est comme ça, hein, je suis surpris. Mais bon, c'est pas une mauvaise chose d'être surpris de temps en temps. Hein. Moi j'aime beaucoup être surpris en règle générale. Ma phrase fétiche quand on me propose quelque chose, c'est surprends-moi. C'est pas des conneries. Hein. C'est absolument pas des conneries. Hein. Bon, j'ai voulu réparer ce que j'avais fait, dommage. Hop. Bon, tu vas pas me faire ce coup là. Voilà, merci. Crac. On va en profiter pour. Je suis pas à 6000, tu te fous de moi? Oh là 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 là. Ok, bon bah tant pis. Du coup, moi ce que je vais faire, chers amis, c'est que je vais aller voir ce que c'est que l'astronium. Et je vais vous laisser là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!